Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voici une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on repart sur du Linux avec XevenOS et on va se retrouver avec un système d'exploitation qui va ressembler lui aussi à celui qu'on a vu donc comme Haiku à BOS. Mais cette fois-ci, on aura vraiment un Linux pur, mais avec cette interface classique un petit peu, voilà, un petit peu démodée ou plutôt old school si on veut. Donc c'est ce que l'on va voir tout de suite. Allez, on va démarrer la bête, c'est parti. Donc alors pendant le chargement, donc XevenOS, il est basé sur du Ubuntu, donc la 14.04, pour celle qui est installée et que vous allez voir tout de suite. On va attendre qu'il charge. Et donc qui dit Ubuntu dit donc tous les logiciels que l'on a l'habitude d'avoir. Voilà. Donc là on va pouvoir faire une petite notation et tout ce qu'on a l'habitude de faire, contrairement à la précédente vidéo où là on avait affaire à un système complètement à part. Voilà. Donc voilà, bon, on va attendre de toute façon qu'il démarre. Voilà, donc la page login, normal. Et voilà, il est chargé. Donc là on a affaire donc un bureau XFCE. Voilà, donc un petit peu modifié entre guillemets, on va dire, tout simplement parce qu'il reprend les codes de BOS. Voilà, donc bah là il est en train de charger le gestionnaire de mise à jour, c'est cool. Voilà, et comme vous pouvez le voir, donc chaque fois qu'on a une fenêtre en plus ouverte, bah, comme l'autre, hop, ça s'ajoute ici. Voilà. Donc comment ça se présente? Donc bah, tout simple, hein, les petites icônes, ok, cool. Et le menu, enfin le menu plutôt la barre des tâches avec le menu ici. L'heure, les petites icônes, batterie, clavier, connexion, tout ce qui est ici. Voilà, et là, l'ajout des fenêtres supplémentaires. Alors, si je fais clic droit, donc dans le bureau même, ben on se retrouve avec un menu qui ressemble à celui de BOS, enfin de Haiku, je veux dire. Voilà, donc avec la partie un petit peu dossier et tout. Le terrain, enfin ou un terminal, quelques paramètres aussi, la partie des applications, donc avec un menu qui se retrouve dans le menu contextuel, voilà, donc le menu des applications est dans le menu contextuel du clic droit dans le bureau. Voilà, si je me mets ici, bon bah là pareil, donc là on a le menu, donc assez classique de ce côté-là. Voilà, seulement on a la Logitech Ubuntu qui se retrouve ici, donc ça on verra ça de toute façon par la suite. About. Alors, 7OS, donc voilà, donc comme je disais, 14.04, voilà, donc Ubuntu Debian, c'est les deux qui prennent. Le kernel 3.13.0-24 pour le Linux en question, voilà, et c'est tout, et 7OS, la version 6.0. Voilà, donc le pro s'en fout un petit peu. Que dire? Donc on va commencer par le menu comme on a l'habitude de faire. Donc ici le menu des paramètres avec bon bah on va carrément aller dans le gestionnaire de paramètres. Voilà. Le gestionnaire de paramètres de XFCE, donc voilà, comme on connaît sous Linux. Hop, ici la partie accessoire, donc avec quelques logiciels aussi XFCE, voilà. Donc la version 4.10 et c'est Xubuntu qui supporte, enfin qui met à jour tout ça. Hop, voilà, comme ça on a vu tout ce qu'il y avait. Donc on y va. Donc la calculette, voilà, on a une calculette, capture d'écran, copier-coller, un doc, voilà, il suffit de le lancer. Alors, je sais pas si ça en sera, ouais, c'est bon, c'est cool, il s'est lancé. Bon, voilà, on a un doc qui est possible. Alors, accessoires, hop, on reprend. Donc comme on peut voir, il est quand même beaucoup plus personnalisable que Haiku. Bien évidemment, parce que bon, bah, vu qu'on est sous du Linux, bah, on va se retrouver avec quand même toutes les possibilités de personnaliser comme on a l'habitude de faire. Éditeur de menu, donc le terminal, partie archive et gestionnaire de fichiers, ça se trouve ici. Le gestionnaire de tâches que l'on adore et que l'on apprécie, le voilà. Bon. On va dire que c'est presque ça, seulement on n'a pas le chiffrage. Bon, donc là j'ai encore rien démarré, on voit qu'il consomme déjà 200 mégas de RAM. Voilà, à vide.
Ça, si je le quitte, je sais pas si. Alors. Hop. Je le remets. Donc, on revient sur accessoires. Voilà, donc le gestionnaire de tâches du XFCE. Lancer des programmes. Bon, bah, ça voilà, c'est là pour lancer à partir d'une petite fenêtre. Magie, 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 je sais pas ce que c'est. Hop, on va lancer. Ok, bon. Hardware, mouse, hop. Ouais, c'est un autre panneau de configuration. Bon, cool, cool. Hop. Accessoires, on retourne. Bon, là, mousepad, donc pour prendre des notes, les notes, voilà. Bon, bah, les petits trucs habituels. Pour graver les CD, voilà. Donc, c'est ici le bureau. On n'a pas LibreOffice, mais on a Abibboard, voilà. Excel et tout, mais les versions un petit peu light de LibreOffice. Voilà que je vais lancer. Voilà. Hop. Je suis trompé. C'est ça. Voilà. Donc, bon, jusque-là, rien de spécial. Là, on peut écrire, faire des choses. Voilà, ça ressemble à LibreOffice, en plus light, bien évidemment. Bureau, c'est fait. Développement, bon, engine, c'est pour programmer, donc HTML, web, C++ et tout. Donc, pour faire de la programmation pure et dure, donc on a un éditeur de texte pour ça. Infographie, on a Gimp, qui est disponible. Une visionnage d'image, Shotwell pour la galerie de photos, donc vraiment très bien ça. Visionnage de documents, bon, bah voilà. Internet, bon bah les mails et tout, ça y est, toujours. Un navigateur web, alors on va prendre lequel qui est pris. C'est Firefox, voilà. Donc, ok. Alors, Internet. Voilà, je pensais que c'était autre chose. Navigateur web, donc voilà, Firefox, transmission, bah, c'est pour partage de fichiers. Voilà, Xchat et puis VPN, bon, ça, j'ai jamais utilisé. Je sais pas si c'est vraiment pour changer les IP et tout, mais bon. On a jeu des mines, bon, bah ça, voilà, c'est comme ça. Multimédia Audacity, donc pour enregistrer le son et tout. Un code, donc normalement, ce serait pour encoder les vidéos. Un lecteur de vidéo, OpenShot, bon, pour faire de la. Comment ça s'appelle? Du montage vidéo. On retrouve le graveur de CD et tout. Et là, la petite télé. Voilà, ça doit être pour regarder la télé. J'ai jamais tenté. Ou pas, c'est plutôt pour télécharger les vidéos. Je pensais que c'était autre chose. Bon, voilà, c'est cool. Hop. Multimédia, c'est fait. Système. Bon, après, bon, le système, quelques petits trucs. Hein, gestionnaire des fichiers, tout, compagnie. Ça y est. Donc, gestionnaire des fichiers, hop, Pnar, CTRL T, c'est cool, on a les onglets. J'aime bien vérifier toujours comme ça. Hop, et voilà. Donc, Pnar, bon, bah, qui est quand même très. Enfin, c'est habituel de l'avoir. Voilà. Hop. Système, c'est fait, c'est tout fait, de toute façon, voilà, on a fait le tour. Logitech Ubuntu, boum. Allez, mon loulou, lance-toi. Donc on va attendre qu'il se lance, bien évidemment. Voilà, donc la Logitech Ubuntu, on a l'habitude de l'avoir, hein, bien évidemment. Tous ceux qui utilisent Ubuntu ou des dérivés, donc Xubuntu, tout ce qui existe. Voilà, donc de toute façon, ça ne changera pas là-dessus. Donc vous prenez un des logiciels, donc je prends celui-là au hasard, entre guillemets, parce que j'ai vu qu'il n'était pas installé. Voilà, et vous faites installer et il se met automatiquement dans notre système d'exploitation. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc le thème, voilà. Donc vu que c'est un clone même de BIOS, sur le thème, j'ai envie de dire. Donc on se retrouve avec vraiment le thème de Haiku qu'on avait tout à l'heure. Donc avec cette fameuse fenêtre et cette petite bordure qui ne prend pas du tout toute la longueur. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment la particularité de ce système d'exploitation. Et si je double-clique, hop, on voit que ça réduit et ça fait vraiment comme l'autre. Voilà, donc là-dessus, vraiment la même chose, tout est pareil. Pour ouvrir, je fais du double-clic. Là, je vais dans le document,
Bon, par contre, le seul truc, voilà, c'est qu'il va pas ouvrir d'autres fenêtres. Si on, bon, ça, je pense que, à mon avis, ça, si on veut vraiment, il suffit d'aller ainsi. Dans préférence. Alors, avancer, hop, comportement. Ah, si, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, quand même. Donc, ça veut dire que si je fais ça. Voilà. Et pourtant, il ne le fait pas. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ouais, bah, ça va faire ça. Bon, bref. Peu importe. Hop. Ça, c'est fait. Paramètres. Hop. On va aller les revoir. Bon. Là, pas grand chose, affichage et tout, on oublie. On va surtout s'intéresser à la partie un petit peu thème de toute façon, parce que c'est un peu le gros du sujet. Donc voilà, déjà on va commencer par l'apparence. Donc on a une apparence IQ. Voilà, donc c'est vraiment le. Si je change l'apparence, vous voyez que ça change tout. Donc, on va se rester sur du IQ. On voit qu'on a tout le reste au niveau des thèmes. Donc voilà, si je faisais Van OS. Bon, j'ai pas compris pourquoi on est passé sous sous Mac là, mais bon, peu importe. Hop. Ah. Voilà, carrément du classique. Bing. Allez. XFCE classique. Voilà, de toute façon, on a plein de choses hein, de disponibles. Clix. On voit aussi que ça change aussi sur le. Comment ça s'appelle? La barre là, à droite. Voilà, allez, on vient là-dessus. Icône, alors c'est le nom, c'est guêpe, hein, mais si je fais ça, boum, change les icônes de partout. Ici, c'est mieux, voilà, GNOME. Voyez ces paramètres, donc ça, c'est bon, c'est fait. Tous les paramètres, l'autre partie des thèmes, bon, ben, bah, bon, background, on peut changer le thème. Voilà, donc on est comme ça, ok. Je vais mettre ouais, orange. Ok. Pas de texte, ok. Voilà. Alors ici, donc ben, ce que je vais faire, je vais me déconnecter, je vais me reconnecter, voir s'il a bien pris mon truc en cours. Voilà, déconnexion, hop. Oui, il l'a bien pris. Alors, hop. C'est pas ça, si c'est ça. Alors, préférence, préférence ou paramètres, c'est là. Voilà. Je savais plus où c'était. Tap, thème et configuration. Bon, ok, hop, gestionnaire de fenêtre. Bon, alors, l'apparence. Ok, cool. Alors, donc là, on a actuellement le thème IQ. Hop, là, on voit qu'on a. Voilà, si je me mets comme ça, voilà le BIOS classique. Hop, blou, boum, hop, on se retrouve avec une autre fenêtre. Carrément. Voilà, on voit qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Etc. Voilà, watercolor, je peux mettre du Windows 98 si j'ai envie, mais c'est pas le cas. Hop, voilà. On peut mettre plus ou moins classique. On va pas tout faire, mais bon. Léo. Hop, voilà. Mac en version tout petit. Basique. Ok. Je crois que de toute façon, on a tout fait. Oui. Hop. Voilà, c'est sur le classique. Voilà.
Donc là, on peut choisir les animations. Alors, les animations, on va agrandir un peu les fenêtres. Voilà. On peut changer bien évidemment le fond d'écran. Bon, bah là, voilà, c'est la partie des couleurs. Qu'est-ce qu'on veut ou qu'on veut pas, tout simplement. Alors, voilà. Etc. Etc. Bon, à chaque fois, il faut faire double-clic hein, quand même. Rotation de fenêtre. On va pas tout faire et ainsi de suite et ainsi de suite. Là c'est bon. Donc un gestionnaire de fenêtre qui est quand même très spécifique au système d'exploitation en cours là. Voilà. Tableau de bord donc qui est ici à droite. Hop. Donc apparence. On peut changer l'apparence et tout. On peut le mettre en vertical ou en horizontal. Bon, voilà. Comme choix. Au choix, je veux dire. Voilà. Fermez, tac. Mince. Hop là, reviens là. Je peux rajouter un tableau de bord aussi. Hop, voilà. Alors, largeur. Toute ta largeur. Taille. Une petite taille quand même. Voilà. Hop. Et là, j'ai un nouveau. Une autre barre, bon après je peux rajouter des éléments, bien évidemment, je peux, hop, je sais pas ce que je peux mettre dedans, peu importe, on s'en fout, hop, hop, c'est plus, hop, indiquons non, alors, menu des applications, voilà, c'est cool, allez hop, fermé, ok, et là on a tout ça ici, voilà, et si je fais ça, on a un menu, le menu classique, bon voilà, comme ça, on peut voir qu'on est capable de tout personnaliser à l'intérieur. Voilà, bon, c'était pas trop le but, mais ça on vient de le voir, c'est cool, c'est bon, on l'a fini. Application favorite, espace de. Bon, après, c'est les classiques, bien évidemment, de toute façon. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc, on va aller là-dessus, émulateur de terminal. Voilà, donc actuellement on a ça, on va faire un petit test de performance justement pour voir ce que ça peut donner tout ça. Alors, petit test de performance, on va commencer par allumer Firefox. Alors, Firefox qui va s'afficher. Voilà. Oh, c'est un petit peu long, il réfléchit un petit peu là. Voilà. Ubuntu.fr. Voilà. Bon, ça c'est fait de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Bureau, voilà, donc à Bigword, hop, on fait un petit peu de lecture. Non, un peu d'écriture, je veux dire. À mon avis, on consomme un peu trop de RAM. Hein. Alors, et ensuite en multimédia, eh ben on va écouter un petit peu de musique, voilà. Pareil, il va arriver, le voilà. Alors, le terminal est là, voilà, ben, en effet, je suis en train de consommer trop de RAM. Voilà. Donc Firefox qui pêche un petit peu là-dessus quand même. Hein. Alors. Là, j'ai quitté Firefox, on va voir ce qu'il va nous faire. Mais ça va mieux. Allez. Comme ça, on voit. Allez, niveau performance, bon, bah, c'est cool. Ça, à part Firefox, on va dire que ça consomme pas énormément. Toujours ce petit souci, justement, du fait que Firefox soit quand même assez lourd de ce côté-là. Mais sinon, bon, en utilisation normale, on vient de voir, on a consommé entre 180 Méga avec juste LibreOffice, enfin Office d'ouvert et puis un petit peu de lecture audio. Bon, sur Internet, il y a bien évidemment d'autres navigateurs, il y a Opera, il y a tout ça qui sont disponibles. De toute façon, il suffit d'aller voir ici. Voilà, il y a même Midori. Midori qui pour moi est le plus light de tous. Et qui a la particularité aussi, c'est de pouvoir accepter aussi des extensions comme Adblock et tout ça. Donc. De ce côté-là, c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'il prend?
Non, il n'a pas Opéra, donc c'est Midori. Bon, de toute façon, voilà, on peut faire un peu tout ce qu'on veut dessus, il y a Chrome, il y a tout ça. Chacun son logiciel, sachant que Chrome, de toute façon, il consomme beaucoup aussi en mémoire vive. Voilà, donc que dire d'autre? Bah, il est temps d'en venir au bilan. Alors, bon, bah, on va faire simple pour ceux qui ont envie de retrouver un petit système d'exploitation simple, léger, et qui ressemble, on va dire, entre guillemets, à BIOS, bah voilà, c'en est un qui est vraiment pas mal de ce côté-là, parce que justement, il nous permet de retrouver un petit peu la philosophie de ce système d'exploitation, tout en conservant la possibilité d'avoir tous les logiciels simples, entre guillemets, de Linux, et bien évidemment à jour. Voilà, on a quand même une panoplie de logiciels assez intéressante déjà installés et tout, donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà, après, bon, bah, les petits moins, bon, genre, oh, on aurait pu mettre LibreOffice, pourquoi pas, et puis ça aurait été pas mal aussi, mais bon, on peut toujours la télécharger, c'est pas trop le souci de ce côté-là, donc voilà. Consommation mémoire vive, bon point, ça consomme peu, comme on peut le voir, le CPU n'est pas trop utilisé, enfin, les processeurs. Voilà, le bémol que j'ai envie de dire, on va dire, c'est surtout Firefox qui consomme beaucoup à chaque fois, mais bon, ça on ne le refera pas de toute façon, et puis bon, faut un peu évoluer avec le temps. On va dire que de toute façon, si on met ça sur une machine qui a 512 de grammes, et ben on prend Midori, puis ça le fera très bien aussi, donc ça fera très bien l'affaire. Et ben, si on a une machine puissante comme moi avec 4 Go ou plus. Pour certains, mais c'est pas de souci, on le met et puis on fait avec ce qu'on a. Firefox et tout, ça fonctionnera sans aucun souci. Voilà, donc on va dire quand même pas mal de points positifs. L'aspect justement classique que l'on retrouve ici, c'est vraiment un bon point. Et voilà, donc pour ceux qui sont sous Ubuntu, allez, on va partir là-dessus et qui ont envie de retrouver de toute façon cette interface là, ben, il suffit d'aller tout simplement. Sur internet et de récupérer le thème de BIOS, donc YQ, et aussi au niveau des icônes, retrouver les icônes nommées GAPE, et les installer aussi. Voilà. Alors lui, je sais pas ce qu'il est en train de me faire, il est en train de me faire des trucs bizarres là. J'ai pas compris. Ok. Alors, c'est plus au route, je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Voilà, donc c'est tout. Voilà, il suffit de changer le thème. On se retrouve avec ça. Bon, là par contre, pour avoir le doc ici, bon, bah, là c'est pas évident, c'est moins évident, mais en l'occurrence, le thème surtout. Voilà, le thème en lui-même qui lui nous permet de revenir sur des classiques ou même sous des classiques de Linux avec des interfaces plus classiques, années 80. Fin 90, début 2000, voilà, enfin, il y a tout ça, il y a plein de thèmes, il y a vraiment de quoi faire. Alors, de toute façon, on va aller dessus. Alors, on va aller dessus, je vais déjà éteindre parce qu'il est en train de faire un petit truc bizarre. Merci. Oui, éteindre, allez, vas-y, éteindre. Hop. Voilà. Alors. Voilà, donc XFCE Look. Donc bah là on a vraiment tout, hein. Je tape BIOS, je sais pas si ça prend pas, on verra bien. Alors BIOS, et si en plus ça le prend, c'est pas un souci pour lui. Haïku, voilà. Et voilà, donc on a le thème Haïku directement. Bon, pas les icônes, mais bon, déjà le thème. Hop, voilà, c'est cool. Be simple. Voilà, hop. Oula. Bon, c'est un peu futuriste ça. Mais bon, il y a de quoi faire, ou alors dans les thèmes un peu plus classiques. Voilà, c'est. Comment ça s'appelle?
Hop, bon, je vais marquer dans les classiques. Voilà, je crois qu'on en a un, c'est très très bien. Voilà, et on se retrouve avec un thème de Mac classique. Voilà, à part les dossiers, mais sinon, l'interface en elle-même, c'est système 8 d'Apple. Bon, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Si on veut retrouver des vieux systèmes, pareil sous le Windows, hein, de toute façon, pour trouver les interfaces de Windows 98, etc. etc. On va pas tous les faire, mais voilà, XFCE Look, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Il suffit de les installer, puis une fois que c'est fait, bah, voilà, on peut utiliser sans aucun souci nos thèmes. Voilà, voilà, bon, je crois que c'était pour la vidéo, de toute façon, donc les bons points, les points faibles, on a fait. Et une petite note, ben, je pense qu'on va pouvoir lui mettre un bon 15 sur 20, parce que ben, de toute façon, ben, pourquoi 15? Tout simplement parce qu'on peut aussi l'avoir sur Ubuntu, il suffit de l'installer. On a tout l'écosystème d'Ubuntu, on change juste le thème et puis c'est fait. On se retrouve avec la même chose de ce que l'on vient de voir. Donc voilà, mais en même temps, ça a le mérite d'exister. Donc voilà, voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, à bientôt.